Un dernier putt pour conclure une belle journée et José-Philippe Lima, le doigt pointé vers le ciel, peut savourer sa seconde victoire à Saint-Omer. Il inscrit son nom au palmarès du Nageti Open pour la seconde fois, 12 ans après son premier succès. Il est le premier joueur à le faire ici. C'est différent, mais c'est énorme aussi. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas gagné, que voilà, j'ai passé des moments difficiles avec mon dos. Revenir ici et regagner encore, franchement, c'est des différentes sensations, mais elles sont aussi énormes. Au matin de ce quatrième tour, le franco-portugais était en embuscade, à 3 coups de la tête. Mais il va rapidement refaire son retard. Birdie au 4, birdie au 7, au 9, avant celui-ci magistral au 11 qui lui permet de prendre la tête. Personne ne peut suivre son rythme, il s'impose avec 2 coups d'avance. Ses poursuivants n'auront pas démérité, parmi eux le jeune Belge de 23 ans Thomas Detry. Pour son deuxième tournoi en tant que professionnel, il accroche la 2e place. Un rang qu'il partage avec l'Italien Alessandro Tadini, auteur de la plus belle carte de la journée à 67. On retrouve le premier français Victor Riu à la 6e place. Régulier, 2 birdies pour 2 bogeys, il tire un bilan satisfaisant de sa semaine. C'est plutôt encourageant et surtout j'espère que ma saison va partir de là où je commence à faire des bons résultats. Pour cette 20e édition, le Nageti Open peut se réjouir d'une belle fréquentation. Le tournoi fait plus que jamais partie des dates importantes du Challenge Tour. On a le même champ que quand on était au Tour européen. Bon, je vais toujours essayer de faire venir les meilleurs Français, je dirais, en en prenant 2-3 des meilleurs, ceux qui ne jouent pas à l'US Open éventuellement, bon, pour promouvoir, cet événement. Débuté sous la pluie jeudi et terminé sous le soleil, le Nageti Open aura ravi les joueurs pour la qualité de son parcours. Rendez-vous est pris pour l'an prochain.